Merci beaucoup pour l'invitation. Merci François, merci Étienne. Merci à vous tous et toutes d'être là. Je suis, comme on vient de dire, je suis vraiment navré de ne pas être avec vous. J'aurais vraiment voulu y être. Malheureusement, les gouvernements canadiens ne nous donnent pas trop de possibilités de déplacement pour le moment. En réalité, j'ai pu suivre une partie du colloque à distance, un peu pour les décalages horaires, un peu parce que tout n'était pas en direct. Mais donc, j'espère, je vais reprendre des choses dans mon exposé qui ont déjà été abordées, peut-être mieux que ce que je vais faire. Donc, je vous en demande pardon. C'est matin pour moi, parce que donc l'après-midi pour vous, j'ai pu suivre les deux dernières présentations et il y aura des résonances entre ce que je vais dire et ce qui a été dit ce matin. Donc voilà, je commence moi aussi par me poser la question, prendre au sérieux la question posée par ces colloques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui échappe à l'intelligence artificielle? Bien, la première chose que cette question me suggère, comme beaucoup d'autres l'ont déjà dit, c'est que si ça échappe à l'intelligence artificielle, ça voudrait dire que c'est quelque chose qui n'échappe pas à quelque chose d'autre. Et donc, peut-être, ce qui me semble sous-entendre cette question, c'est quelque chose qui n'échappe pas à l'humain. Et alors, cette question m'oblige à revenir à l'arrière et me poser deux questions un peu plus larges et peut-être trop générales, mais cependant fondamentales. Qu'est-ce qu'est l'humain et qu'est-ce que, là je vais tricher un peu, qu'est-ce que la machine ? Je vais faire utiliser machine et intelligence artificielle comme termes interchangeables, alors qu'évidemment ils ne le sont pas. Mais disons la machine, l'intelligence artificielle représente une machine dans ce discours que je vais faire. Donc pour répondre à ces questions, donc qu'est-ce que l'humain et qu'est-ce que la machine ? Je vais partir de quelque chose de très connu, peut-être même trop connu, donc vous m'excuserez, ça a quelque chose peut-être d'un peu pédagogique, ce que je vais raconter, j'espère pas trop. Je vais partir par les débuts, c'est-à-dire par le test de Turing, et en particulier par le fameux article de 1950, Computer, Machine and Intelligence, dans lequel Turing a proposé cette expérience mentale. Alors, évidemment, tout le monde le connaît, donc je ne vais pas perdre trop de temps à l'expliquer. Il y a donc une machine A et un être humain B, et il y a C, qui est l'interrogateur, qui essaye de découvrir, en posant des questions auxquelles il recevra des réponses. Donc, il ne voit pas la machine et il ne voit pas l'être humain. Il pose des questions et, en fait, il reçoit des réponses. Et à partir de ces réponses, il doit essayer de deviner qui des deux est la machine et qui des deux est l'être humain. Alors, chose intéressante, il me semble, de ce petit dispositif, c'est que, bon, évidemment, les tests, la machine passe les tests si elle est assez bonne d'arriver à tromper C et de lui faire croire qu'elle est un être humain. Ce qui me semble intéressant de ces tests, ça me relie à ce que disait ce matin, pour moi, donc tout à l'heure, Daniel Handler. Il me semble que ce test définit l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence, en termes de savoir faire face aux situations. Parce qu'ici, il n'y a pas un problème, c'est un jeu. C'est un jeu, et en fait, ce jeu, consiste à faire quoi ? Faire face à quelque chose qu'il ne faut pas résoudre, ça relève un peu de l'ordre de la conversation. C'est une conversation, et donc, il n'y a pas vraiment un problème, et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment une problématisation non plus. Donc, c'est juste comment se comporter face à une situation qui est une situation de type social. Donc, voilà, on se comporte comme un être humain.
D'ailleurs, il y a une ironie de Turing dont je vais parler tout à l'heure qui me semble particulièrement intéressante. Alors, bon, donc, ça serait la manière pour distinguer ou pas un être humain d'une machine. Très bien. Bah, alors, je voudrais revenir un peu à l'arrière, parce que dans ces fameux articles des 50, vous le savez probablement, ce test s'inspire de quelque chose d'autre, d'un jeu des sociétés existant, qui est, donc là, vous avez la référence, vous n'en avez pas besoin, mais la référence de l'article de Turing, en fait, qui est un jeu de rôle, hein, le fameux Imitation Game qui inspire Turing pour son test, est un jeu dans lequel il y a un homme et une femme et un interrogateur. Et alors, juste pour bien vous rappeler le contexte, c'est assez intéressant parce que des deux joueurs, A et B, un des deux est un homme, l'autre est une femme, et ce qui est quand même pas anodin, c'est que l'homme joue contre l'interrogateur, c'est-à-dire qu'il doit lui faire croire qu'il est une femme, alors que la femme, elle, joue avec l'interrogateur, c'est-à-dire qu'elle essaye de convaincre de la vérité. Donc, on est aussi un peu devant le paradoxe du menteur, hein, dans cette disposition-là, c'est-à-dire que la femme essaye de dire la vérité tandis que l'homme essaye de tromper. C'est en réalité, du coup, un jeu des rôles. Celui devant lequel, celui qui est décrit par l'Imitation Game originaire. Un homme, excusez-moi cette image de RuPaul comme fond pour illustrer mon propos. En fait, l'homme essaye de jouer la femme et il essaye de faire croire qu'il est une femme alors que la femme joue la femme. Donc la femme ne joue pas. Il n'y a pas un jeu, elle est elle-même. Et donc, Turing fait même des exemples. L'homme pourra dire bah, c'est, j'ai des cheveux longs, et la femme pourra dire c'est moi qui ai la femme, l'autre, il est en train de te tromper, etc. Et du coup, gagne. En fait, les jeux consistent à deviner qui des deux est la femme. Alors, ce qui me semble intéressant dans ce prototype du test de Turing, et qu'en fait, il ne s'agit pas vraiment de découvrir une différence, mais plutôt de la performer. Le jeu consiste pour l'homme, à jouer la femme, à performer la femme. Et comment se comporte? Le genre me paraît fondamental dans ce jeu. C'est l'homme qui joue et c'est la femme qui ne joue pas. C'est-à-dire que l'homme se comporte comme il croit qu'une femme doit se comporter. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il produit une certaine idée de féminin. Et ce qui est assez drôle ou triste, en tout cas très sexiste, c'est que la femme essaye d'être plus femme que ce que l'homme définit qu'une femme doit être. C'est-à-dire qu'il y a une fonction très importante un dispositif de pouvoir qui se met en place, c'est que moi, homme, je décide, je performe le genre féminin, et ce genre féminin devient, on parlait tout à l'heure des normes, devient une norme hein, que la femme, elle, doit imiter. Alors, on présuppose une différence, et le but du jeu est justement de renforcer cette différence, le genre, et donc on produit le genre. Et là, je vous donne un peu le takeaway message de ma communication, comme ça vous pouvez vous reposer après et ne plus m'écouter, qui est le suivant. En fait, dans les tests de Turing, et en général, à mon avis, dans cette question, qu'est-ce qui échappe à l'intelligence artificielle? Il n'est pas vraiment question de découvrir qui est l'être humain et qui est la machine, quelles sont les caractéristiques de l'être humain et quelles sont les caractéristiques à la machine, et donc quelles sont les caractéristiques de l'être humain qu'une machine n'est pas capable d'imiter ou qu'une machine n'a pas. Mais, à mon sens, il est plutôt question de produire une définition de ce qu'est l'humain et de ce qu'une machine à partir
d'une situation de relation entre les deux, où la relation, et là je vais ensuite vous donner quelques références théoriques pour cette structure, la relation est primaire ontologiquement par rapport aux deux pôles de la relation. En fait, on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment une relation, il y a ce que Karen Barad appelle une intra-action qui produit ensuite les deux pôles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un homme et une femme, par exemple, dans les tests dans l'Imitation Game, il n'y a pas un homme, un être humain et une machine, et puis une relation entre les deux, mais il y a plutôt une relation entre les deux qui produit l'idée d'être humain et qui produit une idée de machine. À mon sens, l'enjeu là-dedans est celui-là, définir l'humain. Alors, pour approfondir un petit peu ces discours, je vais prendre une autre expérience mentale semblable à celle de Turing, inspirée évidemment à celle de Turing, et qui critique l'article de Turing. Comme vous le savez, l'article de Turing arrive à une conclusion qui est plus ou moins de dire que on peut imaginer une machine intelligente et que du coup, il n'y a pas il n'y a pas une rupture nette entre l'humain et la machine. Et alors, critique féroce de cette idée faite quelques années plus tard, 30 années plus tard, par John Searle, que vous connaissez toutes et tous et dont vous avez déjà parlé dans les jours aujourd'hui ou hier, la fameuse chambre chinoise. Donc, qui fonctionne de façon assez semblable. Il y a toujours quelqu'un qui est renfermé dans une pièce et on ne sait pas qui c'est, ce quelqu'un. Et en fait, on lui donne des messages. Donc, le « in », ce sont des messages. Je ne sais pas si vous voyez encore mes diapositives, probablement pas. Hein. Ah, si vous les voyez. Bon. Si vous ne les voyez pas, s'il vous plaît, faites-moi signe parce que parfois, je parle de ça et je vous assure. Tout va bien, tout va bien. Oui, super. Donc voilà, il y a un « in » des diapositives, des messages qui rentrent. Ces messages sont en chinois. Et puis, il y a un « out » où l'entité, personne, machine, peu importe, qui est à l'intérieur de cette boîte, doit donner des réponses à la question qui est posée par le « in ». Alors, comme vous le savez, l'expérience de pensée de Searle consiste à dire, bon, admettons que je sois dans cette chambre et que je ne connais pas le chinois, on m'envoie des questions en chinois, on me donne une table des correspondances, vous la voyez représentée avec ce grand livre dans l'image ici, qui me dit avec quel symbole je dois associer le symbole d'entrée, je suis capable de donner la réponse. C'est la bonne réponse. Et en fait, la personne qui sera à l'extérieur croira que je comprends. Je fais tout comme si, j'agis comme si je comprenais le chinois parce que je donne la bonne réponse. Mais en réalité, ça c'est l'expérience de pensée, je suis capable de faire ça sans rien comprendre, ni à la question, ni à la réponse. Donc, ça sert à quoi cet argument de Searle ? Ça sert à dire qu'en fait, la machine peut être capable de gérer de façon parfaite une syntaxe, mais... et que donc, sur la base de cette syntaxe, la machine sera capable de donner des réponses et de se comporter comme un être humain, mais elle ne comprendra jamais rien. Donc, c'est ça la différence fondamentale. Et puis, là, il y a tout le travail de Searle sur la question de la conscience. Donc, l'être humain comprend, l'être humain est conscient de comprendre, la machine ne l'est pas parce qu'elle gère juste de la syntaxe. Et ça, c'est cette rupture de fond, une coupure nette entre deux mondes, le monde de la syntaxe et le monde du sens. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, quand on parlait justement du fait que l'être humain peut insérer le sens et donc aider des algorithmes d'intelligence artificielle à faire des choses que sinon ces algorithmes ne seraient pas capables de faire. Donc, je voudrais un peu contester cette idée de Searle. Donc voilà, là vous avez la référence de l'article qui est de 80. Et alors, dit Searle, et cette phrase me semble particulièrement significative et révèle à mon avis quel est le but. « My car and my adding machine, on the other hand, on the one hand, it's the human, understand nothing. They are not in that line of business. »
Alors, je suis un littéraire et l'analyse du discours m'intéresse. La métaphore d'être dans un business plutôt que dans un autre me semble particulièrement significative. Là, on est en train de classer deux groupes et deux types d'intérêts et de les séparer de façon radicale. Ce n'est pas la même chose. La voiture et la calculette ne comprennent rien. L'être humain comprend. Ça, c'est l'ancien. Ce n'est pas parce que la machine a des problèmes, etc., mais parce que ce n'est pas les mêmes intérêts, ce n'est pas les mêmes choses. Donc, il y a une rupture ontologique entre ce qu'est une machine et ce qu'est un être humain. Alors, pour moi, quel est le problème de tout ça? C'est qu'en fait, ça, c'est une petite principe. C'est-à-dire, c'est ce qu'il veut démontrer. L'idée qu'on veut démontrer qu'un être humain est supérieur, parce qu'en réalité, ce n'est pas seulement différent, et c'est là où la question des genres dans l'imitation game refait surface, ce n'est pas seulement question d'être différent, c'est question d'être supérieur. Et en fait, du coup, c'est un peu ce que j'appelais dans mon titre le concours d'intelligence. Qui est le plus fort? Qui est le plus intelligent? C'est une question de créer une différence pour donner, pour produire une essence, qu'est-ce que l'être humain, mais c'est aussi une question de produire cette essence comme la meilleure essence possible. Donc de la mettre au sommet d'une pyramide, justement au sommet de laquelle se trouve qui? Se trouve l'être humain. Et donc dans cette pyramide, on fait beaucoup d'oppositions, dont une, est celle entre homme et femme, donc avec un des deux pôles qui est pas seulement différent, mais supérieur à l'autre, le deuxième étant dépendant du premier, dans les jeux d'imitation, l'humain versus l'animal, donc l'être humain qui est supérieur parce que... Quelle est la différence avec les animaux? Et là, pensez à Aristote, par exemple, ou à toute la tradition de la philosophie des origines, où l'enjeu principal semblait être comment on fait pour différencier l'être humain de l'animal. Mais là aussi, vous voyez, l'enjeu est d'arriver à définir l'être humain. Quel est le problème de ça? C'est que, en gros, on va chercher une différence en sachant déjà à quoi ça sert. On a déjà la solution du problème. Hein, c'est la solution du problème, le point de départ. Et puis, on va produire une différence de façon à se conforter dans cette idée. Et donc, humain-machine. Et puis, on retrouve évidemment humain. Donc, humain versus animal. Et ensuite, humain versus machine. Qu'on retrouve là. Et alors là, un peu d'humour de Turing qui me semble vraiment particulièrement intéressant ici, dans ces fameux articles des 50, il parle donc de tout la question de savoir qui pense pas. D'ailleurs, que Searle met beaucoup en avant, hein, donc qui pense pas. Je ne peux pas être sûr que l'autre ne pense pas, mais dit Searle, si c'est un être humain quand même, oui, je vais croire qu'il pense. Là, c'est où je trouve sa petite principe. Et en fait, d'ailleurs, hein, on pourrait faire des considérations aussi politiques sur l'exemple du chinois comme langue incompréhensible qui relève aussi d'un discours particulier. Hein. Donc bon, mais la question c'est qui pense, hein, et dit Turing, et donc est-ce que la machine peut penser ou pas? Et alors Turing dit, instead of arguing continually over this point, it is usual to have the polite convention that everyone thinks. Donc, c'est une question d'éducation, pensons que les autres pensent. Cet humour de Turing me semble intéressant parce qu'il dit une chose. Bon, au moins, mon interprétation, ma façon de tirer un peu le discours de Turing vers moi, c'est de dire que la question de qui pense ou pas n'est pas une question pertinente. Ou mieux dit, la question. Pour revenir à la question de ce qui échappe à l'intelligence artificielle, cette question révèle quelque chose d'autre. Donc, peut-être il faut d'abord, ou de toute manière aussi, s'occuper de pourquoi on se pose cette question. Et le pourquoi de cette question est, à mon avis, justement le besoin de produire l'être humain. Donc, je vais vous faire un petit détour. Il me reste une dizaine de minutes, je pense. Pour expliquer cette opposition entre l'essence et la syntaxe et où je trouve dans l'argumentation de Searle justement une petite principie. Alors, comment ça fonctionne? Donc, vous êtes devant une table d'association et puis voilà la table, vous avez l'input et l'output, donc A, point d'interrogation, et B. Et ensuite, vous avez du coup la capacité de réaliser une opération qui est associée à point d'interrogation. À B. Donc, on vous donne comme
entrant A, point d'interrogation, et vous donner un vous générique B comme extrant. Voilà, ça c'est ce qui se passe, et c'est exactement ce que décrit Searle avec ces symboles chinois que nous ne comprenons pas, que la personne à l'intérieur de la pièce, la chambre, peut ne pas comprendre, mais il est capable de réaliser l'opération parce qu'il y a la table d'association. Bon, ensuite, imaginez que la question, que la table est différente, donc on peut imaginer une situation différente, mais d'un point de vue logique, d'un point de vue symbolique, exactement pareil. Il n'y a aucune différence logique entre ce que je vous montre maintenant et ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc, à la place de A, point d'interrogation, on met « qu'est-ce que le soleil ?», point d'interrogation, et la réponse associée dans la table sera une étoile. Et puis, une opération, donc la possibilité de dire « qu'est-ce que le soleil ?» et on donne comme extrant, comme output, on donne une étoile. Quelle est la différence entre ces deux exemples? Bon, comme je le disais, d'un point de vue syntaxique, il n'y a aucune différence. Mais il y a une différence s'il n'y a plus de table de correspondance. Et c'est ce qu'imagine Searle. On enlève la table de correspondance. Une machine, du coup, dit Searle, ne sera plus capable de combiner les premiers symboles avec les seconds. Mais, on s'est dit qu'un humain, un être humain sera capable d'aller au-delà de la syntaxe et de comprendre le sens sans avoir besoin d'une table. Et donc, il sera capable de combiner les deux. Moi, je dirais à François, qu'est-ce que le soleil? Et sans avoir une table de correspondance, François sera capable de répondre une étoile. Parce que, pourquoi? Dit Searle, parce que l'être humain aura compris ce que cette question signifie. En plus, on pourra dire une autre chose fondamentale, et ça c'est fondamental pour l'argument sur la conscience de Searle et d'autres philosophes, c'est un des problèmes fondamentaux de la philosophie aussi aujourd'hui, mais le problème de la conscience, c'est que aussi il y a une différence parce que l'être humain ressent quelque chose. Et alors, en effet, devant le A, point d'interrogation, B, nous ne ressentons rien. Devant qu'est-ce qu'une étoile, qu'est-ce que le soleil, une étoile, nous ressentons quelque chose, il y a des choses, nous sommes conscients d'un sens et ce sens stimule en nous toute une série de choses. Bon, quel est le problème, à mon avis, ici? Donc, que la syntaxe est définie comme juste ce qu'on voit. La table plus les symboles. Toutes les données sont là. Dans les dessins de la chambre chinoise, il y a tout ce qu'il faut. Tandis que quand on parle de sens et de compréhension, il y a quelque chose de plus. Pour moi, le problème, c'est de savoir, mais c'est quoi ce plus? J'ai comme le sentiment que l'exemple est conçu pour définir clairement l'ensemble des éléments disponibles dans les premiers cas, et pour laisser ambigu les éléments disponibles dans les seconds cas. Dans les premiers cas, il n'y a que les deux symboles et les tableaux. Dans les seconds cas, il y a autre chose. Mais c'est quoi cette autre chose? La réponse que l'exemple tente de provoquer, à mon avis, c'est le sens. En supposant que le sens est ce qui reste après avoir considéré tous les éléments déclarés. Mais le problème est que ces éléments n'ont pas été déclarés. Ça, c'est, à mon avis, la question, quels sont les éléments en jeu au moment où l'opération se produit et quels sont les éléments en jeu du coup qui nous permettent de dire ici il y a du sens, ici il n'y a pas de sens. Hier, Michel Sebag parlait de Goodfellow et de son interprétation du Clever Hans. Et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Pourquoi le cheval est capable de répondre à la question 5 plus 2? Bon, très bien, peut-être il n'a pas compris 5 plus 2, il a compris d'autres choses. Il y a plein d'éléments qui sont présents et qui permettent à Hans le Malin de répondre à la question, qui ne sont peut-être pas les bons, c'est ce que dit Goodfellow. En effet, en parlant des réseaux des neurones, les associations, il y a plein d'associations, mais ce ne sont pas les bonnes, ce sont d'autres. Mais en même temps, même cette question de dire est-ce que ce sont les bonnes ou pas, par rapport à quoi? Voilà. En tout cas, ce qu'on cache ici dans le sens, c'est tout ce qui n'est pas dit,
mais qui peut-être est là. Et alors, juste petite proposition, si on complexifiait, hein, si on complexifiait cette table de juste une table linéaire que Searle représente dans son expérience de pensée et qu'on commençait à voir une série de relations. Ben justement, là, on se rapproche un petit peu au fonctionnement des multiplications des matrices dans les différents niveaux des réseaux de neurones. Dans certains algorithmes, au moins, c'est quelque chose de semblable, ce qui se passe. C'est-à-dire, on associe des choses. Et on associe beaucoup de choses avec beaucoup d'autres choses. Alors, et si, justement, la différence entre la compréhension, le sens et la syntaxe était finalement juste une différence quantitative plus que qualitative? Et c'est un peu ce que propose, par exemple, Giulio Tononi dans son idée des consciences, justement définie comme un ensemble des relations. Donc, il y a cette idée de la conscience et donc, je fais cette association, même si c'est un peu rapide, mais bon, la production du sens avec l'idée que ce sont des réseaux, des networks et l'association entre plusieurs choses, c'est la multiplication de ces associations qui produit l'émergence de la conscience et que donc on peut avoir, on peut calculer le niveau de conscience selon Tononi qui a du coup aussi défini une fonction de la conscience. Ce que je trouve intéressant dans ces travaux, c'est justement le fait d'imaginer qu'il y a plutôt une question des quantités des consciences plus qu'une question de in black or white, donc il y a conscience, il n'y a pas conscience. Et justement, ça serait défini sur la base d'une quantité de relations. Et donc, ça permettrait de faire comprendre que non, il n'y a pas vraiment une différence entre le travail de la syntaxe fait avec la table, une table, et le travail du sens. C'est juste que le sens est une syntaxe plus complexe, avec plein de tables que nous ne connaissons pas. Et donc là, vous voyez, du coup, c'est que à quoi je veux arriver, c'est le fait de dire, bon, que dans cette lutte entre humains et machines, dans cette tentative de distinguer, d'identifier ce qui échappe à la machine et qui donc n'échapperait pas à l'humain, l'enjeu, les vrais enjeux, c'est de définir l'humain. Donc, notre définition de ce qu'est l'humain, beaucoup plus, ça nous intéresse beaucoup plus, parce qu'évidemment, il y va de notre propre vie. Et notre but ultime, ce n'est pas vraiment de comprendre ce qui échappe à l'intelligence artificielle, ce n'est pas non plus de comprendre comment développer des nouveaux algorithmes plus puissants ou qui soient capables de résoudre des problèmes plus complexes ou faire face à des situations. Ce n'est pas vraiment ça, mais notre objectif, c'est de dire qu'être humain, c'est ce qui échappe à la machine. Donc, concrètement, ce que nous faisons, c'est que nous définissons de façon différentielle l'être humain. Alors, je vous propose, dans ce sens, alors à quoi sert toute cette réflexion? Peut-être à être conscient, à avoir une conscience, là je me contredis, mais avoir une conscience de ce jeu et des enjeux, justement, politique, ontologique, métaphysique de cette question qu'est-ce qui échappe à l'intelligence artificielle, mais aussi ça, c'est une piste possible pour comprendre ou pour imaginer des nouvelles méthodes. Alors tout à l'heure pardon, je me suis perdu dans mes diapositives. Voilà. Tout à l'heure, dans la conférence d'Olesya Kirchik, on parlait justement de ce mélange, hein, finalement, entre être humain et machine. L'exemple de la règle pour tracer les chiffres me semble particulièrement intéressant dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a une double normativité très claire en place. C'est que, d'une part, l'être humain veut apprendre à la machine, mais de l'autre part, la machine veut apprendre à l'être humain. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, il y a d'abord une relation entre les choses et puis les choses qui se définissent. Alors, comme la femme qui doit faire, comme l'homme qui doit agir comme il croit qu'une femme agirait dans les tests d'imitation, ici, il faut écrire des chiffres comme on croit qu'une machine les écrirait ou comme on croit qu'une machine pourrait les identifier. Et du coup, l'écriture des chiffres, l'écriture manuscrite est définie par l'écriture machinique. L'écriture machinique et la lecture machinique sont définies à partir de l'écriture humaine. Du coup, il n'y a pas un avant et un après, il n'y a pas un être humain
et ensuite une machine, mais c'est plutôt ce mélange des deux qui compte. Alors là, encore une fois, j'ai complètement perdu mes diapositives, les voilà. Donc, cette idée d'une relation qui viendrait avant les pôles de cette relation est ce qu'étudie Karen Barad pour faire juste un exemple, selon moi, le plus notable et le plus remarquable des post-human studies. Alors, ce type d'analyse a été fait d'ailleurs dans le fond de ma diapositive, il y a la couverture d'un livre de Rose Baidotti qui était What's Post-Human ou quelque chose de ce type, qui est publié déjà il y a une vingtaine d'années. Il y a eu les travaux de Catherine Hales, il y a eu les travaux de Carrie Wolf, juste pour en citer un certain nombre, mais il me semble que dans ce sens, le travail de Karen Barad est particulièrement intéressant. Karen Barad, qui est à la base une physicienne, hein, quelqu'un qui a travaillé sur Niels Bohr et qui travaille sur cette idée d'une relation qui serait primaire, ontologiquement, précéderait les pôles de la relation à partir des travaux de Niels Bohr et à partir en particulier des différents problèmes de la physique quantique et en particulier de l'expérience de la double fente, mais je ne vais pas en parler maintenant. Cette phrase me semble bien expliquer la chose, c'est que l'idée que propose Karen Barad se sert de intra-action. Laissons tomber les néologismes, est-ce que c'est le bon ou pas? Mais en tout cas, l'idée est de dire que l'intra-action se différencie de l'interaction ou de la relation, parce que l'intra-action est ce qui vient avant l'émergence des deux choses entre lesquelles l'action se passe. D'abord, il y a l'action, et ensuite, par contre-coup, il y a l'émergence des deux pôles. Et c'est qu'elle définit, alors, cette idée des post-human studies, c'est de dire, bon, interrogeons-nous sur ce qu'est l'humain, reposons-nous la question de qu'est-ce que l'humain, et en fait, rendons-nous compte que plusieurs questions qui émergent aujourd'hui, comme par exemple qu'est-ce qui échappe à l'IA, sont des symptômes de la question principale qui est qu'est-ce que l'humain. Donc, dit Karen Barad, my post-humanist account calls into question the givenness of the differential categories of human and non-human, examining the practices through which these differential boundaries are stabilized and destabilized. Et là, on revient au test de Turing, et il me semble que, comme d'ailleurs la chambre chinoise, ce test et ces pratiques, mais tout comme la définition d'un réseau de neurones ou d'une méthode de reconnaissance par peu importe quelle approche, l'écriture manuscrite ou la gestion des situations, en réalité, ce que nous sommes en train de faire, c'est de nous rendre compte qu'il n'y a pas un être humain et une machine, mais il y a des pratiques à travers lesquelles les frontières entre les deux sont stabilisé et ensuite déstabilisé. Et donc, en effet, dans tout ce discours que nous avons, ce que nous faisons et l'enjeu, c'est de stabiliser une définition d'être humain, stabiliser une définition des machines, ensuite la déstabiliser, en produire une autre et continuer à s'interroger sur ce dialogue et cette respiration entre les deux. Merci beaucoup.